Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les gars, on est toujours à Miami, donc abonne-toi, d'accord? Clique sur la cloche, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hachi, ok? La chaîne, c'est vous pouvoir te permettre de devenir libre géographiquement et de pouvoir être indépendant financièrement, ok? En partant de zéro, ok? Donc pas de chichi, commence pas à trouver des excuses. Si jamais je l'ai fait, je viens de la banlieue dans le 91 à Évry, tout le monde peut le faire, ok? Donc maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Comment générer 10 000 euros par mois et créer un business, d'accord? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que avant même de penser à être indépendant financièrement, d'accord, donc ça c'est, je suis d'accord avec toi, c'est un objectif, il faut l'avoir, ok, c'est toujours important de pouvoir sécuriser ton argent dans des actifs qui te rapportent des revenus passifs, mais avant tout c'est super important de pouvoir créer de la valeur, d'accord, donc monétaire, d'accord, créer de l'argent, enfin créer, tu ne le crées pas parce qu'il existe déjà, mais en tout cas de le générer, ok, grâce à une expertise. Okay, donc c'est super important que dans un premier temps, tu puisses toi te sécuriser grâce aux compétences que tu vas développer pour pouvoir générer 10 000 euros. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, que la conjoncture ne soit pas bonne, que c'est les gilets jaunes, que c'est la fin du monde, toi, tu as des compétences que tu as développées qui te permettent de pouvoir générer au moins 100 000 euros à l'année. Okay? Et quand tu vas faire ces 100 000 euros à l'année, tu verras que ta vie elle va complètement changer. D'accord, il y a des études là-dessus qui montrent que voilà, quand tu arrives à 10 000 euros par mois, tu es bien. T'es bien, d'accord? Tu peux gagner plus, mais ça ne va pas augmenter ton niveau de bonheur, ok? Ça va peut-être augmenter le niveau de bonheur des autres, d'accord? Des gens que tu vas aider. Mais toi, ton niveau de bonheur, en général, quand tu arrives à 10 000 euros par mois, tu as suffisamment pour pouvoir souvenir aux besoins qui te permettent d'être, pas souvenir à tes besoins, mais pouvoir avoir la vie un peu que tu veux, d'accord? Que tu rêves, ok? Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de plus, mais en moyenne générale, 10 000 euros, c'est très bien. Et quand tu atteindras à ce niveau-là, tu verras que tu es déjà sur un autre niveau, tu es déjà à l'aise, tu es bien quand même. Tu vas pouvoir acheter des choses sans bégayer, sans dire etc. Mais ça ne voudra pas dire pour autant qu'à ce moment-là, il va falloir que tu commences à dépenser. Parce que ça, c'est l'erreur que la plupart des gens font. Bon, ça, c'est au passage, d'accord? Parce que quand tu vas commencer à générer ce cash-là, il faut que tu le mettes de côté, d'accord? Et pour les étapes que dont je vais te parler. Donc, première chose à faire, okay. Si jamais tu n'as pas d'expertise, tu dis ok, ben moi j'aimerais bien générer 10 000 euros par mois. Comment je fais? Okay, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'en parlais déjà sur 5 astuces pour pouvoir générer 10 000 euros par mois. Il va falloir que tu développes des compétences qui vont te permettre de générer ces 10 000 euros par mois. Ça veut dire qu'il y a des compétences qui sont très, qui ont une haute valeur, okay, qui sont très reconnues par exemple dans le business, qui vont te permettre de pouvoir générer 10 000 euros par mois. Donc en gros, l'idée, c'est de partir sur du consulting ou du coaching. D'accord? C'est pour ça que j'accompagne les coachs, les consultants, les gens qui ont une expertise. Okay? Si tu développes une expertise, que ce soit dans le trading, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les relations, dans la santé, d'accord, que tu fasses du copywriting, que tu sois dans le marketing digital, que tu sois dans le développement du chaîne YouTube. Il y a plein d'entreprises, grosses entreprises qui aimeraient savoir comment développer les chaînes YouTube parce qu'elles ont compris que Internet, c'est même plus l'avenir, c'est le présent. Que tu veux développer aussi, par exemple, dans le closing, comment vendre. Okay? Donc, tout ça, c'est des compétences qui sont monétisables et qui pourront te permettre de générer 10 000 euros par mois en te positionnant en tant que consultant. Coach, d'accord, c'est exactement moi les stratégies. Une fois que tu as ces expertises là que tu as développées, moi je t'explique exactement comment générer 10 000 euros par mois rapidement grâce à ces expertises là. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Donc si tu as quelque chose à faire que tu sais pas par où commencer, travaille sur l'une des expertises dont je viens de te parler. Et après tu vas te positionner en tant que consultant. Donc tu vas me dire ouais mais j'échange mon temps contre de l'argent. Oui, dans un premier temps. Parce qu'une fois que tu es consultant, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est un business, d'accord? C'est juste que tu échanges encore ton temps contre de l'argent, d'accord? Si jamais tu arrêtes de travailler, eh ben, tu n'as plus de revenus, d'accord? Mais c'est un très bon revenu, d'accord? Donc, tu ne vas pas te plaindre. Et puis, de toute façon, les étapes d'après vont faire de façon à ce que tu peux créer un business à partir de ton expertise. Ok, donc première chose, développe une expertise qui te permettra de gagner 10 000 euros par mois. Okay. Et après, va directement voir ma masterclass et tu verras exactement toutes les stratégies que tu peux utiliser, comment vendre, comment promouvoir son expertise, quelle offre, comment faire une offre pour ton expertise à partir de tes expertises qui vont te permettre de générer 10 000 euros par mois rapidement. Okay. Donc ça, c'est dans la description si jamais tu as déjà cette expertise-là. Si tu ne l'as pas, choisis-en une que je viens de te dire
et forme-toi, sois le meilleur. Pendant un an, deux ans, mets-toi à fond dedans. Achète tous les livres qui concernent la compétence que tu as choisie. Si c'est par exemple le marketing digital, si c'est le closing, si c'est. Choisis-en une. OK ? Et sois le meilleur dedans, sois super bon. Deuxième étape, et ben après, pour pouvoir construire un business, pour que ça puisse devenir un business, pour que plus ça soit toi qui puisse échanger ton temps contre de l'argent, à ce moment-là, tu vas créer une team, d'accord ? Tu vas créer une équipe qui va te permettre de te sortir de l'entreprise et d'être la vision de l'entreprise, un peu comme Steve Jobs, d'accord ? Donc, tu vas commencer par peut-être avoir des assistants, tu vas commencer à avoir peut-être des commerciaux qui vont travailler pour toi, d'accord ? Et faire tourner cette entreprise-là, même avoir des gens qui vont travailler pour toi, qui vont consulter à ta place, d'accord ? Donc, tu vas faire tout ça pour pouvoir après te dégager ton temps de ton argent, ok ? Parce que du coup, même si tu arrêtes de travailler, toute ton équipe continue à travailler et rapporte de l'argent dans l'entreprise. Donc là, à ce moment-là, là, tu as un business. Là, tu as un business et tu génères déjà les 10 000 euros par mois. D'accord ? Ça veut dire que dès la première étape, tu génères les 10 000 euros par mois. La deuxième étape, tu commences à créer un vrai business. Troisième étape, tu réinvestis dans ton business pour pouvoir le faire grossir encore plus. Sache que tout ce qui ne grossit pas périclite. D'accord ? Tu es obligé de faire grossir ton business. C'est obligatoire. S'il ne grossit pas, il va mourir. Ça n'existe pas, les solopreneurs. Les solopreneurs n'existent pas. Quelle grosse entreprise, quelle entreprise qui génère beaucoup de cash que tu connais où le gars il est tout seul, où il fait le marketing, il fait la vente, il fait le secrétariat, il fait la comptabilité, il fait tout. D'accord, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être bon dans chaque domaine. À un moment donné, il va falloir que tu prennes des gens qui sont meilleurs que toi et que tu l'acceptes. D'accord ? Toi, tu as ton expertise, que tu te concentres sur ta zone de génie, d'accord ? Sur ton talent, que tu continues à le développer pour être le meilleur. Mais tout ce qui est les choses qui ne te concernent pas, entre guillemets, d'accord ? Il va falloir que tu le délègues parce que les gens en plus seront meilleurs que toi pour pouvoir le faire. Donc, c'est vrai que je connais un solopreneur qui fait énormément d'argent, même tout seul, ok ? Mais franchement, c'est vraiment rare. Okay, c'est vraiment rare et il ferait beaucoup plus si jamais il avait une équipe. Et la dernière étape, du coup, une fois que tu as généré, que tu as fait toutes ces étapes-là, tu n'auras plus qu'à investir ton argent dans l'immobilier et dans la bourse si jamais tu veux devenir indépendant financièrement. Je sais que tu le veux, d'accord ? Mais tu vois, dès la première étape, le fait d'avoir développé des skills, des compétences pour pouvoir être bon dans des compétences, je me répète, mais des compétences qui sont monétisables à haute valeur, d'accord, ça te sécurise. Parce que quoi qu'il arrive, tu sais que tu pourras générer de l'argent parce que tu as une compétence qui est demandée et qui est très monétisable, d'accord, à haute valeur. Ok ? Donc, une fois que tu es arrivé à cette dernière étape, tu peux investir en immobilier, en bourse, d'accord ? Si jamais tu as déjà du cash, je vais lancer un programme justement, je suis en réflexion, donc tu me mettras en commentaire si jamais tu es intéressé. Je vais lancer un programme justement où je vais accompagner en fait les personnes à investir, que ce soit en immobilier, que ce soit en bourse, d'accord ? Si j'avais une certaine somme d'argent, va falloir quand même commencer à 10 000 euros, d'accord ? Va falloir le pass d'entrée, il est à 10 000 euros, d'accord ? Et du coup, grâce à ce projet que je compte mettre en place, ça vous permettra d'investir votre argent et générer des revenus passifs, d'accord, ou d'avoir des accompagnements en immobilier, d'accord. J'ai mon équipe Successful Premium, on est là. Donc mets-moi en commentaire, c'est intéressant de voir ça, là j'ai juste d'y penser. Donc si tu es intéressé, je vais voir ça pour mettre ça en place, ok. Donc qu'est-ce que je veux dire d'autre, si jamais tu veux créer ton business en ligne, d'accord, tu n'as pas besoin d'avoir de compétences en marketing digital ou en internet ou d'avoir une idée business, ok. Si tu veux créer ton business en ligne, boum, il y a une formation, elle est offerte. Maintenant, si tu es coach, consultant, d'accord, tu as déjà les expertises, comme je t'ai dit, cité plus haut là sur la première étape, ok, tu es coach, consultant, tu sais comment trader, comment investir, comment gérer une entreprise, comment développer une chaîne YouTube, comment être influenceur, tout ce qui touche un peu autour du marketing, du business, ok. Si jamais tu es t'as une expérience dans la santé, tu sais comment soulager une douleur au dos, tu sais comment faire perdre du poids, comment faire en prendre, enfin tout ce qui concerne la santé, d'accord, c'est important. Et les relations, tout ce qui est comment récupérer son ex, comment sortir d'une rupture, comment trouver la femme de sa vie, etc. Tu vois, là comme tu l'as remarqué, je pars sur les trois piliers qui sont très monétisables, d'accord, à haute valeur. C'est pour ça que je sais que lorsque tu iras cliquer sur le lien dans la bio pour pouvoir accéder à la masterclass, tu vas pouvoir voir les stratégies pour pouvoir atteindre 10 000 euros par mois rapidement, d'accord. Donc tu n'as plus qu'à ou avoir te débrouiller pour avoir cette expertise là, d'accord, te former, etc.
ou si jamais tu l'as déjà, eh ben, c'est parfait. Tu n'as plus qu'à cliquer et assister à la masterclass. Elle est offerte. Je partage avec toi toutes les stratégies que mes clients ils ont utilisées. Il y en a un qui a fait 86 000 dollars en un mois, 10 000 euros en un mois. Ok, donc tu vas dans le e-com info, tu verras les témoignages de tous mes coachés. Ok, donc d'ici là, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ah non, non, non. Il y a eux et il y a nous. Il ne faut pas se tromper, les gars. On ne se trompe pas, nous. Ok, Miami, ça fait plaisir ou pas? Donc choisis ton camp, mon gars. Moi, je suis parti de rien, de zéro. Je suis né dans 91 à Évry, ok. J'ai fait un BEP électronique que j'ai redoublé, ok. Il y en a qui ont fait des bacs plus 5. Là, actuellement, ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont pas à Miami, mon gars.